de faire un clip sur nous. Donc, C'est le petit nouveau, là. Il est plutôt grand. Une sorte de clip. Justement, ça c'est un truc à voir entre lui et nous, tu vois, comment on veut que la vidéo soit, parce que j'ai pas envie de lui laisser faire, quoi. S'il fait une vidéo sur nous, je pense qu'on aura un gros regard dessus, quoi. Oui, je crois. Il y a Lina qui va nous faire un point sur tous ces éléments en théâtre. Donc projection, la projection, donc la première qu'on a organisée s'est tenue là vendredi. Moi j'ai compté, il y avait en gros 50 personnes qui étaient là. Je pense que c'est très bien. Même si vous allez me dire c'était les réalisateurs qui ont présenté eux-mêmes leur film. Mais ça fait, même si c'était que des réalisateurs, ça fait déjà 50 réalisateurs, donc c'est déjà génial. Jérémy et Anto, s'il vous plaît, pas de discussion comme ça, sinon on va pas y arriver. C'est super important. C'est quoi ? Qu'est-ce qui est important ? Ah oui, c'est important, mais faites-vous en pas, parce que c'est important. Je fais juste le chèque, mais... Bon, ça vous va déjà le contenu de la réunion ? Très bien. Bon, vous avez des choses à rajouter ? J'ai dit la bouffe d'eau. Ah, bah voilà, la bouffe d'eau. Mais bon, en même temps, il n'y a pas grand chose à dire, il y en a plutôt à faire. Mais. Ah ouais, ok. T'as des élections en tête, mais je sais que t'as des élections. C'était Camilo. Ah oui, tu dis ça. Tu voulais parler de l'élection du CA. Il y avait plein d'idées, mais je vous dis, ça tend plus vers un truc qui ressemble à une biennale d'art contemporain. Mais ça peut être cool, justement. Mais ça peut être très bien. Hein. Écoute, Nina, tu as la parole. Ok, donc, plusieurs choses. Déjà, François Gaillard, on a pris contact avec lui, avec Jen, donc qui est super prêt à nous aider et tout ça. Et il a envoyé des mails à des profs de pratique théâtre, et notamment à Marie-Cécile Boisquil, parce que c'est une des profs qu'on a eues en pratique, en lui proposant de faire une espèce de journée projet étudiant. Donc je ne sais pas exactement ce qu'ils se sont dit, moi j'ai juste eu un retour de mail disant que Julie Sermon allait prendre contact avec moi pour voir comment ça va se dérouler. Ouais, donc à suivre en fait. Moi il faut que je réponde à ce mail et que j'envoie un mail à Julie Sermon, parce que ce mail il est eu là en fin de semaine. Donc voilà, déjà la première chose. Donc